Florent Pagny est un père heureux et épanoui. Alors qu'il partage sa vie entre la France pour ses obligations professionnelles, le Portugal où il a posé ses valises et l'Argentine où il se sent enfin comme chez lui, il a accordé une interview à nos confrères de Gala. Le chanteur s'est confié sur son rôle de père. Il était d'ailleurs accompagné de sa fille, Aël, qui est née de son mariage avec sa femme Azucena. Si la jeune femme ne vit pas avec eux, elle les a rejoints à cause de la crise du coronavirus. Pendant 6 mois, ils ont donc vécu à 4 avec également un cas, le frère d'Aile. Nous sommes restés 6 mois tous les 4, on ne s'y attendait pas et ça s'est super bien passé. De toute façon, nous n'avons jamais eu de conflit avec eux. Ils étaient contents de rentrer à la maison. Nous aussi, a déclaré le chanteur de 59 ans. Aël en a profité pour se confier sur son père, qu'elle assure être un papa 100% à la cool. Il adore dire qu'Inca et moi, nous ne lui appartenons pas, pourtant je sais que si est un papa protecteur mais discret. Il veille sur nous, même à distance. Il nous donne toujours de bons conseils. Mais il n'est jamais intrusif, il nous laisse libres à partir du moment où tout se fait dans les règles et que nous sommes heureux, a-t-elle raconté. Florent Pagny veut que ses enfants vivent de belles aventures du côté du principal intéressé, même son de cloche. Moi, je suis un papa cool, mais un peu particulier, car je suis soit en tournée, soit en tournage, soit je reste à la maison pour une période déterminée. Je suis un drôle de papa mais je les ai toujours amenés à vivre des aventures hors normes pour compenser mes lacunes sur l'éducation. Comme les embarquer à Miami pour qu'ils apprennent l'anglais, revenir en Argentine pour y suivre des études d'agriculture et comprendre un peu mieux comment on travaille la terre, a-t-il assuré avant d'admettre que c'était sa femme qui avait fait un travail exemplaire pour bien les élever.